rappelle encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. J'ai reçu un beau tambour. Et je joue quand il fait jour. Et quand il fait nuit, le mercredi, je rappelle encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. J'ai reçu un beau tambour. Et je joue plom plom, et je joue plom plom, et je joue quand il fait jour. Et quand il fait nuit, le mercredi, je rappelle encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. Yamalamadum, yamaladium, yamala, yambolo. J'ai bien mon tambour, hein. Oh, je suis content de mon tambour, c'est un cadeau avant Noël. Super. Bon, j'avais des copains avec moi pour jouer, mais ils sont pas là pour l'instant, alors je sais pas ce qui va se passer. Moi je vais commencer, peut-être qu'ils vont venir. Salut les filles, salut les gars, me voilà. Le spectacle a commencé. Salut les filles, salut les gars, avec ma guitare que je viens d'accorder. Mais c'est pas tout vu, tout entendu. Salut les filles, salut les gars, là le synthé basse et son petit ventre plat. Salut les filles, salut les gars, c'est le synthé basse et il va tout en bas. Mais c'est pas tout, t'as pas tout vu, tout entendu. Salut les filles, salut les gars, voilà la batterie, et si tu veux mon avis. Salut les filles, salut les gars, c'est la batterie qui fait le plus de bruit. Qui monte à la spo. Salut les filles, salut les gars, voilà la guitare et elle va tout en haut. Hey, hey. Mais c'est pas tout, t'as pas tout vu. Salut les filles, salut les gars, et voilà le clavier qui va nous accompagner. Salut les filles, salut les gars, ça c'est un clavier qui va nous enchanter. Quand on était grand comme ça, à peu près grand comme ça, je sais plus trop, enfin, peut-être comme ça, je sais plus. Enfin, on était grand, à peu près comme ça, et on habitait chez nos parents. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, mais des fois nous on habitait chez nos parents. Et puis, pas loin de chez nos parents, on était des mondes de copains, hein. Il y avait une grande forêt, que tout le monde avait appelée la forêt de notes, comme les notes de musique, parce qu'il y avait de la... Pourquoi ils avaient appelé comme ça cette forêt? Parce que en pleine nuit, en pleine journée, on entendait des bruits genre oui, comme ça,
Tout le monde avait peur, hein, personne voulait y aller dans cette forêt. Même en pleine journée, comme ça, on se dit, il y avait peut-être une sorcière, je sais pas. Enfin, bon. En tout cas, on avait entendu aussi dire que il y avait dans cette forêt une baguette magique à trouver. Ouais. Et comme mes copains et moi, on aimait bien la musique, on s'est dit, si on trouve cette baguette magique, oh, ça serait vachement bien, parce que cette baguette magique, elle faisait de la musique. Alors bon, on s'est dit, on y va, on dit rien à nos parents, on y va. Et ce qu'on a fait, ben, on n'a rien dit à nos parents. Mais ça, c'est une histoire. Il faut toujours dire la vérité aux parents, quand même. Hein. Là, c'est l'histoire. On a fait notre mal et on est parti dans la forêt de notes. On y va? On y va ensemble? Allez, c'est parti! Avec tout un patras qui ne me servira pas. Mon chauffeur à Venise, je remplis mes valises. Avec tout un bagage qui ne me servira pas. Ouais. Allez, tape de main. Des habits pour la nuit, un gilet bien douillé. Élégant quand il fera frais. Ma frangine, sa copine, le pied pour les cerceaux. Des garçons pas trop longs quand il fera chaud. Je remplis mes bagages avec tout un patras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises avec tout un patras qui ne servira pas. La raquette, des baguettes et des balles dans la malle. Une jolie pharmacie pour que je me fais le mal. Un frigo, du ciseau, une armoire de devoir. Du travail, du gros lobby, c'est pour sortir le soir. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages. Avec tout un patras qui ne me servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises. Avec tout un patras qui ne me servira pas. Des passants au cours de temps, une voix dehors. Une voix d'amiral, un radeau ici haut. La bouée, un paquet pour s'y jeter dans l'eau. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages. Avec tout un patras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises. Avec tout un patras qui ne servira pas. Avec tout un patois qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises. Avec tout un patois qui ne servira pas. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages. Avec tout un patois qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises. Avec tout un patois qui ne servira pas. Oh, monsieur, s'il vous plaît, la forêt de notes, c'est où? C'est par là? Ah oui, j'entends les oiseaux. Ça doit être par là. Et les amis, vous êtes où? On est là. Vous auriez pu m'aider quand même un coup, non, parce que c'est lourd. Vos affaires, surtout. Parce que les miennes, moi, j'ai rien pris. Vos affaires, vos oh, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est lourd. On est dans la forêt, là? Bah ouais. Tu crois? Bah ça s'entend, les oiseaux. Et c'est quoi ces trucs derrière toi, là? C'est quoi? Non. Ah ouais! Ah d'accord! Oh, oh, ça c'est drôle alors! Et ça? Ah ouais! Ça marche! On dirait des arbres, non? On dirait des arbres! Oh. Ah oui, c'est des arbres! Ça y est, on est dans la forêt! Spécial la forêt, spéciale, hein. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chat? Oh, il est là, petit chat. Dans la forêt? Oui, oui, regarde. Bah oui, c'est un gros drôle de chat, dis donc. Viens là, petit chat. Viens là. Oh non, t'en vas pas.
faire le feu, je vais te veux. La nuit, le jour, je cours à tous mes rendez-vous. Être occupé, c'est ça qui fait briller mes yeux. On m'appelle chaleur. Partout, je l'ai pas trouvé. Vous l'avez vu? Il était presque aussi grand que toi, d'ailleurs. Ouais. Bon, écoute, c'est bizarre, ça. Moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Il se passe des choses bizarres dans cette forêt, hein. On vous l'avait dit, hein. Oui. D'ailleurs, j'avais un truc sur la tête tout à l'heure. Ça s'appelait comment? Ce que j'avais sur la tête. Le truc rouge, là. Comment ça s'appelait? Un béret. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, libéré? Je l'ai lancé. Ah, je l'ai lancé. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Où c'est? Je l'ai lancé là-bas, je crois. D'accord, je vais chercher. Parce que là, il me manque. Hein. Non, il n'est pas là. Bah, il est où alors? Bah, enfin. Bizarre, ça. C'est bizarre. Je comprends pas. Pas grave. Oh! Ah, bah, il est là! Oh bah ça alors là, mais c'est magique. C'est de la magie, hein. C'est bizarre. J'ai perdu mon béret. Bizarre, bizarre. J'ai perdu mon béret. Bizarrement. Je l'ai vu s'envoler. Bizarre, bizarre. Je l'ai vu s'envoler. Bizarrement. Avec mes deux souliers. Bizarre, bizarre, avec mes deux souliers, bizarrement, sur un cochon doré, bizarre, bizarre, sur un cochon doré, bizarrement, quand ils sont revenus, bizarre, bizarre, quand ils sont revenus, bizarrement, je leur en ai pas voulu. Je n'en ai pas voulu, bizarrement, mais ça m'a réveillé. Bizarre, bizarre, mais ça m'a réveillé, bizarrement. Je me suis habillé, bizarre, bizarre, je me suis habillé, bizarrement, les pieds dans mon béret, bizarre. Les pieds dans mon béret, bizarrement. Et la tête au soulier, bizarre, bizarre. Et la tête au soulier, bizarrement. Quant au cochon doré, bizarre, bizarre.
quant au cochon doré et bizarrement, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu bizarrement. Qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? C'est comme si j'avais rêvé un peu. Hein? Vous aussi, non? Un peu ça. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais. J'ai un truc bizarre aussi là. Ici au ventre là. Ah là. Bah, moi aussi. Mais là, moi. Toi? Non. Là? Oui, là. Vous avez mal aussi? Là, là, oui. Vous avez quelque chose ici? Là. Là? Oui. Mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Oui. Oh, je sais. J'ai faim. Pourtant, j'ai faim. Mais oui. Pourtant, on a mangé comme il faut avant de partir. C'est bizarre, hein. Mais heureusement, les gars, on a pensé à tout. Enfin, moi surtout, d'ailleurs. J'ai pensé à tout. Eh oui. La casserole! Ça se mange? Mais non, mais c'est pour faire à manger, on va bien trouver quelque chose dans la forêt. Ah, un chat? Un chat? Tu veux manger le chat, toi? Aucun. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Mais je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Champignons! Champignons, oui, c'est vrai, tiens, champignons. Mais ça fait comment les champignons? Oh. Un champignon, c'est avec un chapeau. Et un pied. Comme le monsieur au fond, là. Non, parce qu'il a deux pieds, monsieur. Ah, d'accord. C'est pas un champignon. Bon, on va chercher le champignon. Champignon, champignon, champipi, 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 champignon, champipi, champignon, gnognon. Il n'y a pas de champignon. C'est dommage, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les forêts? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Le lapin. Le lapin. Ouais, elle est trop petite la casserole pour mettre des lapins. Par contre, on peut peut-être mettre des fruits dans la casserole. Hein? Et à faire cuire, ou si ça se mange comme ça d'ailleurs. Sans casserole d'ailleurs. On va secouer les arbres, on va voir, il y a peut-être des fruits dedans, non? Allez, on va essayer. Non, il n'y a rien du tout en couteau à celui-là, non, il n'y a rien du tout, celui-là. C'est pareil. Oh, ça. Oh, celui-là, de mettre dans la pile, trop fort. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh oui, oh ben, il y a des œufs. Bien sûr, il y a des œufs. Dans les arbres, il y a des œufs. Oh, oh là là, oh là là, t'as raison de te plaindre. Oh là là, oh là là, il y a tout qui va faire. Aïe, aïe, aïe. Tout le paquet sur les pauvres où tu me restais. La suite tu l'as de ta.
veillard de mes familles. La casserole, elle est foutue. La casserole, elle est foutue. Et son manche est tout tordu. Son manche est tout tordu. On dirait un cendrier. On dirait un cendrier. Je pense qu'elle est mal à la poubelle. Je l'ai mise à la poubelle. Et puis j'ai fait la vaisselle. Comme j'ai toujours faim, je voudrais savoir à quelle heure je reviens. Qu'on pourrait inventer des gâteaux là. Charlène? Non. Pas Charlène. Presque Charlène. Charline? Non, pas Charline. Qu'est-ce qu'il y a qui ressemble à ça? Charlotte. Ouais, oui, c'est ça. Vous la connaissez, Charlotte, hein? Ouais. Charlotte, alors. Charlotte, elle adore faire des gars. Et un jour, elle voulait faire son gars. Elle n'avait pas de roue pour faire son gars. Elle n'avait pas de plat pour mettre son gars. Elle n'avait pas de four, non, pour faire son gars. Donc elle est allée voir Sacco. Tout le monde connaît à peu près l'histoire. Alors, moi je vous propose une chose, c'est qu'on va faire un jeu de rôle. D'accord? Par exemple, je suis la petite copine. Non, je suis la petite Charlotte, pardon, c'est mieux. Puis vous êtes la petite copine qui n'est pas sympa. Enfin, on va vous montrer comment faire, hein, Bruno, d'accord? Alors, on fait rapidement, enfin, rapidement, enfin. Papa, qui est là? C'est la petite Charlotte, j'ai remis sa mère en haut pour faire mon gâteau. J'en ai pas comme ça. Vous n'avez pas compris, hein, ça va trop vite, hein. On va faire au ralenti, hein, tout doucement. Pom, pom, pom. Qui est là? Qui est la petite Charlotte? J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas. Débrouille-toi comme ça. Bon, vous avez compris maintenant? On a fait les très rapidement et très... Bon, ok. Alors moi, je vous propose une chose, donc, voilà. On va le faire en musique, hein. En musique, c'est facile. Vous allez voir, c'est facile. Je suis la petite Charlotte. Et vous êtes la copine qui est pas sympa. Ah, d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, moi, je suis d'accord avec vous. Allez, va. C'est la petite Charlotte, pom,
copine qui est pas sympa, vous êtes trop sympa. Une copine qui est pas sympa, ça fait pas. Qui est là? Une copine qui est pas sympa, ça fait. Ça fait. Les parents, vous pouvez aider aussi, hein. Ça fait. Ah voilà, c'est mieux ça. À la Johnny, quoi. C'est la petite Charlotte. Pan, pan, pan. C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un plateau pour mettre ton gâteau. J'aurais besoin d'un plateau pour mettre ton gâteau. C'est la petite Charlotte. Pan, pan, pan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est les enfants qui ont crié. Les enfants? Ouais. Quels enfants? Celui-là, là-bas, au troisième rang. Hein. Oui. Là, les deux parents, avec. Ah, ouais, ouais. Les trois petits, là, dans le fond. Oh. Et puis, la dame, tout au. Oui, puis lui, elle, tous. Tous. Bon, bah, moi, je vais prendre mon micro. Hein, parce que c'est ça, parce que. Faire comme Johnny, moi, je vais me protéger. Avec un micro. Enfin, un pied de micro, parce que... C'est la petite Charlotte. C'est mieux avec le pied. C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un tourneau pour cuire mon gâteau. Une petite tache sur ma chemise. Un peu dommage, c'est
qui m'arrive. Et à mon âge, ça arrive. Maman fronce les sourcils, lui rend la vie pour facile. Papa me traite d'imbécile, ça c'est un peu trop facile. Il me snap dans le cartable, c'est vraiment pas supportable. Le soir de cahier à table, maman me dit, tu es capable. Moi je croyais si minable. Papa me croit un peu coupable. Alors là c'est incroyable. Ça sert à quoi les enfants, puis tout le monde me dit à quoi ça sert ça, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc là, c'est quoi, ah c'est pour jouer aux Indiens, ah oui oui oui, ah oui d'accord, oui oui d'accord d'accord, ah, c'est pour ça, tiens bah tiens j'en ai plein, ouais tiens regarde, oh regarde, oh, bah, ça... oh regarde, oh toi des ailes aussi toi. Alors attends, faut tirer. Alors c'est bon. Alors bon, d'accord. Y a plein de barracudas. On se fait de gros
passe l'après-midi, la forêt est riche un jour. Vous prenez les barrages cachots. Attention, voilà les Indiens de la tribu des Apaches. Ils passent sur le chemin. On se fait pour faire virer des points noirs et du palot de menton. On mange du crocodile, c'est bien mieux qu'à la maison. Ah, c'est super, hein. Oh, ça m'est bien, Lyon. Et je sais, par contre, ça, je sais à quoi ça sert, ça. C'est aux cow-boys. Après les Indiens. Les cow-boys, d'accord. Ouais. Et quel tu veux, blanc? Un petit blanc. Un petit blanc, un petit rouge. Non. Toi, un poids. Un chapeau. Un chapeau pour toi. Et doré. Ouais, super. Il manque quoi? Ah bah j'en ai un, moi je sais pas s'il y en a, moi en tout cas il y en a un tout petit là, si éventuellement. Oh celui-là. Non. Oh, d'accord. Non, ça va pas. Non, pas d'accord. Attends, mais j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres, hein. Y'a rien. Tiens. Et Louis, mais toi tu peux parce que tu as ton. Non, un sou. Allez hop, c'est parti. À cheval. À cheval, allez. C'est ma faute à moi. Si j'ai regardé la télé, c'est ma faute à moi. Ce n'est pas la faute à Bernard, c'est ma faute à moi. Si je me suis couché si tard, c'est ma faute à moi. Hey, les cartes sous la table, les sagouins de ce coin. C'est pas la faute à Mireille, c'est ma faute à moi. Si je n'ai pas mis le réveil, c'est ma faute à moi. C'est ma faute à moi. Si je traîne dans la cuisine, c'est ma faute à moi. Ce n'est pas la faute de l'Arthur, c'est ma faute à moi. Si j'aime trop les confitures, c'est ma faute à moi. Eh ouais, les culpables sous la table, le sagouin de son coin. Jusque-là, c'est ma faute à moi. Ce n'est pas la faute à Richard, c'est ma faute à moi. Si j'ai pas fini mes devoirs, c'est ma faute à moi. Et la triche au table, sous la table, laisse-moi de ce coin. Ouah, 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 ouah. C'est pas la faute à Nicolas, c'est ma faute à moi. Si j'ai retard à l'école, c'est ma faute à moi. Ce n'est pas la faute à Léon, c'est ma faute à moi. Si je baille pendant mes leçons, c'est ma faute à moi. Et on est coupable sous la table, on a sa pointe sur le coin. Ouah, 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 ouah.
c'est pas la faute à Christophe. Ça marche pas les pistolets. Mais ça marche pas, regarde. C'est normal parce que t'entends rien. Tu les tiens pas, c'est pas dans le bon sens. Tu vois? Bah oui, regarde. Là, tu vois, c'est là. Ah ouais, t'as dit, il marche bien. Oh! Mais si, ça marche bien, ça marche. Oh non, 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 mais non, je te dis que ça marche bien. Regarde, ça marche. Toi aussi, ça marche. Bon, là, les deux. Oh! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh là! On est, vous êtes pas fatigué d'un seul coup? Oh là là! J'ai envie de dormir, mais dormir d'un seul coup! Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc! Eh, les enfants, et même les grands, si vous entendez un bruit bizarre, vous nous réveillez parce que là, c'est parti pour dormir! Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une sorcière là? Non, non, c'est pas vrai. Vous nous faites marcher. Je vais regarder. Mais non, il n'y a rien du tout. Oh non, vous nous réveillez pour rien. Hein? Y'a rien? Y'a quelque chose ou y'a rien? Alors, faut crier plus fort que ça parce que nous on dort sinon, hein? Sorcière de minuit qui a fait craquer l'armoire. J'ai pas rêvé un bruit là-bas dans la nuit noire. Ah, ah, oh. Et me voilà réveillé, yeah, yeah, dans mon petit oreiller, yeah, yeah. Ah, si j'étais super mal, super mal. Voyez pas là. Si vous la voyez, vous criez, hein. C'est la sorcière de minuit qui a fait éclater l'armoire. J'ai pas rêvé un bruit, hein. Là ici, je l'ai vu. Oh. Oh. Elle fait bien de s'en aller. Superman, Superman. Je lui balancerai dans nos dans les jambes, mon oreiller sur la tête. Je la pousserai dans l'escalier, ce serait sa fête. Je la pousserai dans l'escalier, ce serait sa fête. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite, tu t'en vas, vieille sorcière, va-t'en, hein. Son vieux balai de riz. Je vais lui prendre la fuite. Elle est partie. Ah ouais, au revoir. Ah. Tu fais bien de t'en aller. Yeah, yeah. Au mieux pas trop m'énerver. Yeah, yeah. Car si je te super mal, super mal, j'irais bien enfoncer son chapeau. Moi tu m'y fais son balai sur la tête. Elle aurait fini comme un vieux sac en du grand mal. Elle aurait fini comme un vieux. Tu vois ma petite mal, ma grande mal, sorcière. Viens voir, j'ai plein de choses à t'offrir, plein de choses à t'offrir. Viens voir. Ah oui, tu aurais fini comme un vieux sac en du grand mal.
Eh ben certainement pas, vieille sorcière, on l'a eu, hein. Elle est dedans maintenant, hein. Super, hein. Oh dis donc, hein, je suis content, hein. Elle est dedans. Ouais, mais toutes mes affaires, elles sont dedans, dans la grande malle. Bah, les tiennes, c'est important, et les miennes alors, et celles de Manu, et celles de Bertrand, hein. Oh là là. Bah oui, comment on va faire? Bon, je vais regarder comment elle est. Ah non, non, non. Si, si, bah, il faut bien, il faut... Non, je vais... Regarde. Oh là là. Un pied pue, alors. Bon, il va falloir que... Tu veux aller voir... Ah non, j'ai trop petit, moi. Manu. Bertrand. Oh, toujours moi, ça retombe sur moi, toujours, il faut que j'y aille. Faut que j'aille me battre avec la sorcière. Oui. Vous allez m'aider? Oui. Est-ce que vous allez m'aider? Oui. J'espère bien. Vous allez compter avec moi, d'accord? Allez, vous comptez, puis j'y vais après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, non, je peux pas, Eric, reviens, ils savent compter, hein. Oh oui, mais moi j'ai pas envie d'y aller, moi, t'es marrante. Bon, d'accord. On compte jusqu'à 3. 3 seulement. Attends, 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 je suis pas prêt. Attention. Vous êtes prêts? Oui. Moi je suis pas prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Allez, tu vas essayer, toi. Bien sûr. Mais tu vois que ça marche. Essaye. Essaye, vas-y. Vas-y, attends doucement. Vas-y, vas-y. Tu t'appelles comment? Héloïse. Héloïse, essaye. Tu veux aller, tu veux aller sur la scène? Non. Tu veux aller sur la scène? Allez. Ok, super. Attention, on peut l'applaudir très fort, Héloïse. Tu as un coup de main. Allez. Ah, ça y est, on a trouvé une autre fille, super. Elle s'appelle comment? Pauline. Comment? Pauline. Pauline? Oui, Pauline, viens. Bravo, super. Viens. Alors, on va commencer par les filles, les garçons, hein. D'accord, hein. Vous avez dit, hein. Allez, attention. Oh, dis donc, c'est super, ça. J'espère que ça va marcher avec vous, hein. Qui c'est qui est la plus grande? Pauline ou Héloïse? T'as quel âge? Et toi? T'as quel âge? Allez, tu essayes en premier. Tu essayes en premier? 18? Ah bah c'est Héloïse qui essaye en premier. Élise. Héloïse? Héloïse. Oui. Allez, essaye. Ça marche pas. Essaye encore. Ah, tu sais, je crois qu'il y a un truc qui peut marcher, c'est qu'il faut fermer les yeux pour que ça marche. Essaye de fermer les yeux. Voilà, c'est bien, ça marche, tu vois. Essaye encore. Salut. Ouais, super, on peut l'applaudir très fort. Qu'est-ce qu'elle vient aider pour descendre éventuellement? Ou tu veux rester là si tu veux pour l'instant, hein. Reste là, toi, toi. Alors, je me rappelle plus déjà ton prénom. Pauline, tu vois, j'ai... Alors, Pauline, t'es prête? On essaye? Vas-y. Vas-y. Vas-y, tu bouges. Oh. Encore, on continue, ouais. Vas-y, encore. Vas-y, essaye, fais comme ça. T'es comme ça, vas-y. Allez, il faut bouger. Ouais. Ah oui, mais il faut essayer de fermer les yeux. Tu sais fermer les yeux? Ferme les yeux, tu vas voir, ça va marcher. Ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Allez, vas-y. Oh, ça marche même sans fermer les yeux, super. Super. Ouais, c'est quoi? Merci, Pauline. Super. En fait, tout le monde applaudit, tu vois, c'est super. Bravo. Alors, tu t'appelles comment, toi? Evan? Evan, tu veux essayer? Vas-y. Encore, après, ça va être à toi. Allez-y, Evan. Oh! Oh, ça marche pas! Oh, dis donc. Mais t'aimes bien les armes à feu, toi? Non. T'as raison. Essaye encore. Oh! Oh, oh, oh. Eh, faut fermer les yeux, Evan. Voilà. Ouais! Encore? Ouais! Super! Oui, ça marche aussi avec toi, bravo! Ah, alors, toi, tu veux venir? Tu t'appelles comment, toi? Hein? Naïl, tu vas monter sur la malle, parce que personne ne va te voir sinon. Mais je t'inquiète pas, je suis là. Voilà, comme ça. Allez, Naïl, tu essayes? Vas-y. Non, toi, t'aimes bien les voitures, toi. T'aimes pas les voitures? T'aimes bien les voitures? Non, parce que généralement, la baguette, elle devine ce qu'on aime, non? T'aimes bien la voiture. Vas-y, encore, vas-y, doucement, hein. Vas-y, pas doucement, vas-y, encore. Oh, t'as été trop vite. Oh, l'accident. Bon, faut fermer les yeux, hein. Allez. Voilà. Super. Bravo. Ça marche aussi avec toi. Allez, tu sautes. Youp là. Bravo, tout le monde. Bravo, merci beaucoup. On peut les applaudir encore très fort. Ah ouais, ça marche bien. On va vous aider à descendre. Ok, allez, Naïl, vas-y, toi, tu peux descendre. Allez-y. A bientôt, Pauline. Au revoir. T'es contente, Pauline, hein? Ça a marché aussi avec toi. Allez, va. Allez, tiens, tu veux un coup de main? Vas-y. Bien. Voilà. Super. Ah, bon, bah, je crois que maintenant, on va essayer de se concentrer très fort, comme le jus de tomate. On va se concentrer comme le sucre. Le sucre, le concentré. Arrête donc de dire des bêtises, toi. Tu me souffles, c'est lui qui me souffle. Hein. Bon, allez, on se concentre. Attention, on y va. Ça marche. C'est grâce à vous, ouais. Ouais. Thank you.
passe, marchant, marchant de sable passé. Apprennent à faire à lire, à lire, à écrire, à faire des maths. Mais la baguette, elle me dit, qu'est-ce qu'il dit, baguette? Elle me dit que vous apprenez à faire une chose importante. D'ailleurs, c'est pas qu'à l'école, hein, partout. Hein. Oui, 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 oui. Des, ah oui, j'ai entendu, des bêtises. Eh oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça que vous apprenez à faire. Des bêtises, ouais, allez. Où est-ce que tu nous emmènes, baguette? Où ça? Eh ben oui, d'accord, au Japon, non pas au Japon, attends, c'est comment? Ça s'appelle comment? Enfin, dans les îles, quelque part, ok. Allez, c'est parti! Alors, le temps de préparer, j'aimerais que, si vous voulez faire, ceux qui peuvent le faire, et on va faire attention à la caméra qui est là, on va faire une chenille, on va peut-être allumer un petit peu dans la salle. Merci. Et puis il va falloir une locomotive. Quelqu'un qui fasse la locomotive. Oh, voilà. Est-ce que quelqu'un veut faire la locomotive? Et puis tout le monde suit derrière. Ceux qui peuvent. Tu veux faire la locomotive? Attention. Tout le monde alors, pour faire une grande farandole. On y va? Allez, bah, ça commence là-bas. Vous allez tout doucement parce que tout le monde derrière va vous suivre. J'espère bien. Allez, on y va, on fait une farandole. C'est parti. Allez, yeah. Tout doucement parce qu'il y a des petits qui vont s'accrocher au train. Alors le premier, la locomotive devant. Je sais pas comment tu t'appelles, mais vas-y doucement. Et voilà, merci beaucoup. Faut que tout le monde suive. Faut pas décrocher, hein. Il ne faut pas décrocher derrière. Allez, attention. On y va. Dum, 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 dum. C'est à l'école, ta gada gada. Le grand Dédé, aïe, calomnie, le grand
tableau. C'est pas nous pour faire des grimaces. Zoom, zoom, attention, zoom, zoom. Attention là, c'est à l'école, tagada gada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagada gada, qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien raconte ses histoires, elles sont si bêtes. On pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Y'a la maîtresse, ouais, la maîtresse, c'est la plus dégueulotte. Quand elle s'asseye, on lui voit sa culotte. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, tu marches à quatre pattes. Pour chatouiller, pour le mouler, moi je suis mettre droit. Dom, 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 dom. C'est à l'école, tagadagada, on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, on apprend les bêtises. Heureusement, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Qu'est-ce que vous pourrez mettre, tout le monde s'arrête, poilot aux chaussettes. Aux chaussettes. Non. Ouais, c'est pas mal, mais on s'arrête, voilà. Il faut trouver mieux. Chaussettes. Soquettes. Ah non, qu'est-ce qu'on a venu. Poilo. Aux cacahuètes. Ouais. Au basket, c'est pas mieux, remarque. Basket. Hein. Basket. Basket. Ouais, allez, basket. Par ici, la sortie. Oui. Dom, 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 dom. C'est à l'école, c'est à l'école, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, c'est à l'école, qu'on apprend les bêtises. Après cette chanson, le Père Noël devrait arriver. Peut-être bien que le Père Noël va venir. Alors attendez, parce qu'il y a deux baguettes qui me parlent. Ah, bon, écoutez, de toute façon, il viendra peut-être après, on verra. La baguette me dit qu'il y aura peut-être un petit peu de retard, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour une dernière chanson qui s'appelle « Le soir de Noël ». Le soir de Noël, je resserre mes ailes, je m'en vais sur la terre, des sept choses à faire, deux ou trois chemises, deux tonnes de valises, il faut que je fasse bien vite avant le minute. Les enfants m'attendent, y'a qu'à les entendre, ils réclament leur jouet, je vais leur distribuer, ne pas oublier ce qu'on oublie. De mettre le soulier. Là-haut, tout là-haut, on est vraiment très haut. On aime travailler, fabriquer, rejouer. Moi, le Père Noël, mes anges sans ailes, on descend bientôt. Le soir de Noël, je resserre mes ailes. En haut sur la terre, les tas de choses à faire. Trois chemises, le temps de la valise, pour que je fasse bien vite à la bonne. Les enfants m'attendent, y'a qu'à les entendre, ils réclament leur jouet, je leur distribuer. Ne pas oublier ce qu'on oubliait, de mettre le soulier. Là-haut, tout là-haut, sans.
Merci beaucoup. Le Père Noël va pas tarder, c'est sûr. C'était Bruno au clavier. Manu à la guitare. Bertrand, à la batterie. Et au chant et à la guitare. Eric. Merci. À bientôt, j'espère. Et joyeux Noël à toutes et à tous. Bye bye. Hey, I'm